Ça part re? Ah, ça re! Bon, ouais, non, petite coupure, j'ai pas d'explication. Donc, du coup, ouais, je disais, je sais même plus où je me suis arrêté avec ça. Mais dans tous les cas, je disais, on va switch de jeu, on va repartir sur Starbound pour continuer notre survie et espérer ne pas mourir. Tac. Et let's go. Ah oui, il faut que je remette le timer et tout. Attends. C'est vrai que tiens, tap. Apparemment, il n'y a pas de problème chez vous. Tac, reprenons cette scène-là. Ça. On était à 8h54 minutes de vie. Hop. Ah oui, alors du coup, espoir que j'ai peut-être un petit peu joué. Et reprenons. Du coup. Qu'est-ce qu'on faisait déjà? Ah oui! Je crois qu'on faisait le. On voulait faire le nouveau sac à dos. Mais pour ça. Il fallait des cœurs enflammés là. Oh, c'est un bordel, dites donc. Et la bonne fin de soirée, Tina, merci à toi d'être venu. Et idem, Hello, merci pour le bon courage, parce qu'il va falloir. Ça, bon, tout le reste, on pourra le dégager. Oh, le shotgun lance-grenade. Ouais, mais dans le doute, je vais garder mon fusil mitrailleur pour l'instant. Ça, on va le garder. Et donc, oui, donc, on voulait faire le cœur enflammé. Et pour le coup, je suis allé voir sur le net. Hein, je crois que j'avais fait ça à la fin du dernier live. Pour voir comment on pouvait les récupérer. C'était des pourcentages de loot assez infimes. En gros, c'est du 10 ou 20%, mais sur des mobs qu'on n'a même pas croisés. Ou. Faire éclore un fire fluffalo. J'ai envie de tester. C'est quoi ça? Self-food imposé. Ouais. Eh bien écoutez, on va tester. Alors en soi, ça c'est un truc que je n'ai jamais fait hein, pour le coup. L'élevage dans. Starbound, je connais pas du tout. Et là, ça fait un trou dans le vaisseau. Ah non. Par contre, je sais pas, est-ce qu'on peut le mettre dans le vaisseau, l'œuf? Good source of. Went fully gone. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas, je sais pas. Donc oui, tant qu'on n'a pas fait ça, on va pas pouvoir avancer dans le sac à dos. Parce que là, il va nous manquer le cœur. Et là, il va nous manquer les minerais. Le problème, c'est que pour avoir les minerais, il nous faut le sac à dos supérieur qui nous permet de résister au froid. Ah, apparemment, on peut peut-être le mettre dans le vaisseau. Hein.
Ta bonne nuit. À toute. Bon, ça a l'air d'éclore assez rapidement. Je me dis qu'en le mettant dans le vaisseau, on aura peut-être plus de chances de l'avoir rapidement. Oh, un tout petit bitty truc! Ça avait fini de me suivre, vous deux, là. Bah écoutez, on a une mini vache, très bien. Je voulais faire quoi? Oui, on voulait avancer sur le cœur, donc ça on pourra pas avancer pour l'instant tant qu'on n'a pas notre vache qui grandit. Et on est comment en bouffe d'ailleurs? Ah, j'ai pas de bouffe sur moi, bah tiens. On va commencer à manger des patates qui commencent à puer un peu bien comme il faut. Hein. On va en prendre deux qui sont pas cuites. Et bien on va chercher des preuves Apex, hein, je pense. Hein. Je pense qu'on va faire ça. Hein. Ça, on est bien. Alors. Alors ils sont plutôt sur quoi techniquement? Sur des planètes froides. Après la Snowy, là, on l'avait visité, non? Je sais plus ça, si on l'avait visité. Ah bah, attendez. Pour un œuf, j'ai vu un truc sur Cyberpunk, genre on peut avoir un œuf d'iguane. Mais si on le rate, c'est foutu. Ah merde! Par contre, oui, on en parle que ça grandit super vite les machins là. Bon après tu me diras heureusement parce que j'ai pas envie de passer 2 heures à faire ça, mais on en parle de ma vache émo là. Bon ben on verra comment ça marche. Il me semble qu'on l'avait faite la planète Snowy, la planète de neige. Faudrait essayer qu'on en trouve, faudrait qu'on essaie d'en trouver une autre. Oui, c'est la mission du braquage de la relique dans la part de Arasaka, d'une sorte de terrarium, je crois que c'est là. D'accord. Radioactive, ouais, radioactive, on peut y aller. Mais comment ça marche pour les cœurs du coup? Faut que j'interagisse avec? J'ai aucune idée. Comme je dis, je me suis jamais vraiment jamais intéressé à ça. J'avoue, c'est de vache et bœuf. Allons sur Corvi 5. C'est de la neige. Et on va espérer bah, y trouver des apex. Hein. Comme je dis, hein, je sais que on avait croisé une ville apex quand. Quand on se baladait sur les maps précédemment. Mais j'ai pas noté la planète. Quelle était la planète? J'ai pas pris mon PNJ. J'ai pas noté quel était le PNJ. La planète où on était allé. Et je me suis dit, bah tant pis, hein, j'ai pas envie de refaire toutes les planètes qu'on a fouillées. Ou de refaire tous les replays en me disant, alors c'est sur quel replay qu'on a vu tel truc. Donc on va juste voilà, fouiller et espérer trouver. Voilà, bon, allez, let's go. Trouver des apex. Et ne pas mourir. Surtout ne pas mourir. Ok, donc les trucs qui volent vert, c'est gentil.
là, ce qui me sert pas aussi, là, par contre, qui prend de la place pour rien. Ta-ta-da. Ouch. Après, j'avoue que la question que je me pose, c'est si je vais sur un système qui est censé être plus froid, mais que je vais pas sur une planète de neige, est-ce que ça passe? J'avoue, j'en ai aucune idée. Oh, un mob rare! Et ben, meurt comme tous les autres. Il y a une pop top. Yo. Oh. C'est encore plus rare maintenant, oui, clairement. On a chopé, enfin on chope pas mal de trucs pour faire du popcorn, hein. Et puis le popcorn en soi ça remet pas mal de bouffe. Oh, je sens tellement pas, n'empêche le prochain donjon. Donjon dont je me souviens du boss, mais pas du donjon, justement. Oh là, c'est étrangement plat ça. On va récupérer ça. Bon, on va vendre quelques trucs là. Tout ça là. Ça, je garde ça. Hop, ça dégage. Et voilà. En vrai, les graines de patates là, c'est bon. J'en ai plus savoir qu'en faire. Tu dis ça à chaque donjon et c'est passé. Ouais, mais vraiment. Genre vraiment. Oh, toi là! Des ruines à l'est. Bon, on va faire le tour, voir s'il y en a d'autres qui veulent que j'aille à l'est. Mais genre vraiment celui-là je le sens vraiment pas du tout. Putain, n'empêche que pour l'instant on n'aura pas croisé un seul village Novakid. Hein. Alors comme petit village western là, qu'est-ce que je kifferais? Ah, tempête! Sérieux, le... Ce que je peux lire, l'impatience des joueurs d'aujourd'hui, le trailer de GTA est déjà regardable à cause d'un leak. Non mais putain, non mais... À l'aide, hein. Ah. Je veux dire, le truc qui sort demain, vous pouvez pas attendre deux secondes, enfin une journée, non, c'est trop demandé. Oh, un bâton de magie de glace. Et il y a de grandes chances qu'en effet ce soit des personnes qui sont... que à partir de, bah, de maintenant du coup on voit des trucs popés en mode bah ouais, de toute façon les gens surhypés et du coup vont être déçus, donc ça va être le jeu de merde, tout ça tout ça. Deux quêtes assez pauvres. Ouais, bon, toi t'es chiant en plus. Genre des graines, des trucs et des machins, donc au secours. Euh...
rien du tout. Putain, il y a vraiment qu'une seule quête dans tout le village. À l'aide, hein. Des cultistes. On va les aider. Très bien. Bon, bah du coup, trouver les potes de l'autre, là. Ça va être un GTA, oui, les gens se surhype comme jamais. Bah ouais, clairement. Ouais. Je vais être très impatient, ça viendra, quand ça viendra, on kiffera à ce moment-là. Bah oui, non mais... De toute façon, ça va faire comme à chaque fois. Des mois avant la sortie du jeu, il y a Jean-Michel qui va te montrer ses super leaks qui tient de sources ultra sûres, ultra confidentielles, et en fait, c'est que de la merde. Du coup, tout le monde va juger en disant « Ah, en fait, le jeu, il va être nul à chier parce que, voilà, grâce à ses sources sûres, on a vu qu'il y avait ça, et en fait, voilà. » Et voilà, hein. Ça va faire comme d'habitude. Entre ça et les... Ah, mon Dieu, aujourd'hui, les mecs de chez Tel Studio nous ont montré... 3 pixels sur une image et du coup il y aura forcément ça, ça, ça et ça sur une vidéo de 45 minutes où on ne te parle que de 3 pixels et au final tu sais rien de plus. Mais évidemment personne, hein. Salut. Alors je veux bien te ramener, mais en fait j'aimerais bien ramener les deux à la fois, parce que si on ramène une et que je dois faire un retour derrière, ah bah voilà. Yo. Allez, tout le monde rentre à la maison. En plus ça a l'air assez safe par ici. Comme un gars sur YouTube qui faisait ça sur Pokémon, à l'écouter on aurait déjà eu une évolution de type dragon. Dans l'épée bouclier. Je veux dire, ça fait des années et des années qu'à chaque fois qu'il y a un jeu Pokémon qui sort, c'est « Ah, nouvelle évolution de type dragon confirmée, machin !» Ça fait je sais pas combien d'années que j'entends parler des évolis type dragon. Hein, je... Bon bah, pas de quête en plus, hein, pas de PNJ qui veulent être recrutés. De toute façon, c'est recruter 2 PNJ ou récupérer 10 000 balles de plus. Hein. Ça va charbonner sur des pets de bouche et en faire des dizaines de minutes de vidéos. Ah, ça. Pour ça, faut juste trouver des chaînes fiables. Oh, il n'y a pas forcément besoin, j'ai envie de dire. Quand tu vois les grands noms d'influenceurs qui font pas tous, mais presque. Voilà. Non, va-t'en. Je me suis tellement laissé avoir par des conneries à droite à gauche venant d'influenceurs que je me contente d'infos officielles. Maintenant, j'ai déjà assez donné. Bah, c'est pour ça que, ouais, maintenant, de toute façon, j'ai vraiment... Avant qu'un jeu sorte, je regarde quasiment rien. Parce que ça me saoule tellement, maintenant, de voir...
Un tel qui joue au jeu 3 mois avant tout le monde et qui en fait te balance toutes les infos, dont certaines qui sont fausses. Ouch. Enfin, je connais personne. Bah, j'avoue que il fait partie clairement de ceux que je n'apprécie pas du tout personnellement. En tout cas, je n'apprécie pas du tout son contenu. Et c'est à lui que je pensais quand je disais justement sortir une vidéo de 45 minutes pour 3 pixels de GTA. Ou le fait que... Attends, c'était quoi l'autre truc qu'il avait fait aussi récemment là que ça m'a fait marrer? Ah oui! En gros, ça remonte à quelques semaines. En mode, ouais... En gros, il faisait une annonce GTA presque par jour. Et quand il y a enfin eu l'annonce du trailer GTA et compagnie. Le tweet qui arrivait en mode ouais, je vous l'avais dit, machin, en fait ça arrive très bientôt. Bah ouais, j'ai envie de dire sur 18 tweets à la semaine sur le même sujet, au bout d'un moment tu tombes sur une info juste quoi. Ah, ça m'avait fait tellement marrer. Chie mes plisses quoi, putain. Ouais, je suis d'accord, il aime bien tourner autour du pot pour 30 secondes d'info. Bah oui, mais. En vrai, c'est ce qui me saoule le plus dans ce genre de truc, c'est voilà. Faire du watch time juste pour ça, c'est vraiment le principe qui, moi, me saoule en fait. Hein. Bon, pas grand-chose, hein. Ça tombe ça? Ah, ça tombe! Peut être très dangereux de faire ça en hardcore. Parce que tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Petit filo de diamant, on aime bien. 3 diamants. Je sais même plus à quoi il sert le diamant en vrai, dans ce jeu. Il me semble que c'est pour des crafts, mais genre très très loin. Mais alors lesquels? Il y a un coffre en bas. Ok, ça c'est pas méchant. Toi par contre. Pas te laisser négocier. Mais en soi, voilà, enfin, je dis lui parce que c'est le premier qui me vient en tête. Oh, la Soul Seeker, tiens donc. À une époque, c'était une des meilleures armes du jeu. Ce qui me fait rire chez lui, quand Sony a fait des boulettes qui sont pas si terribles directement, c'est scandale, mais quand c'est Microsoft qui ont fait des grosses boulettes, il est limite en train de défendre, après il dit que qu'il est impartial. Ah bah de toute façon, je suis désolé, enfin, à dire, hein, mais de toute façon on le sait tous, hein, trouvez-moi un influenceur qui est impartial. En tout cas, dans ceux qu'on entend beaucoup, j'entends, je veux dire, voilà. Il y a bonne chance, hein. Ah, j'ai failli me vautrer. Alors je voulais pas faire ça. Barre-toi, il y a un coffre.
Je sais qu'à l'époque, c'était utile pour les pioches, vu que les manipulateurs de matière étaient très peu utiles. Ouais. Mais ça. Ah, l'époque. La grande époque des drills. Des magnifiques drills! Ah, les foreuses, mais qu'est-ce que c'était drôle, qu'est-ce que c'était cool ça. Je trouvais ça très fun. Surtout quand t'avais les dernières améliorations de foreuses et que à peine tu mettais un clic et il y a tout qui partait. Ah, c'est Monsieur Snowman. Bon, bah on a fait le tour. Hein. Hop. Oh. Ah. Oh putain, c'est une vache qui belle. Non, pars-toi. Bon, bah du coup, on peut se le crafter, ce sac à dos, là. Alors, le trou de chaleur, il me faut une batterie et du duracier. Je crois que j'avais fait des batteries. Hein. Ouais. Duracier, en vrai, on commence à être un peu limite. Hein. Hop. Nouveau sac à dos. Et maintenant, il va falloir aller chercher tout ça. De l'aégis, du ferrosium et du violium. On va faire fondre ce qu'on peut. Quand que lui, c'est un des plus fiables. C'est-à-dire au niveau des autres. Après, il y a Bugland aussi. Mais bon, par moment, il me fait penser à du Chase Voice. Ouais. Je... De toute façon, comme je dis, personnellement, je regarde quasiment plus tous ces trucs. Hein. Tous ces influenceurs. Ou tous ces. Pseudo-journalistes. Je préfère encore aller me chercher mes infos moi-même dans ce genre de cas. Bon bah écoutez, let's go hein. Ah c'était poète. Ah, du titanium. Alors le nouveau sac à dos. Le sac à dos anti... Alors c'est anti-froid ou anti-chaud? Celui-là c'est anti-froid. Hein. Ouais c'est anti-froid. Donc on n'est pas encore au risque de météore dans ma gueule. Mais ça peut quand même arriver. Un pas de plus vers la mort sur les planètes volcaniques. Mais dans un sens, j'aimerais tellement. Hein. J'aimerais tellement mourir sur une météorite qui tombe et bah tu la vois pas arriver et puis paf dans ta gueule. Hein. Je pense que clairement ce serait le meilleur finish possible en fait. Bon, du coup, on a les sacs à dos comme ça, donc direction. C'est les étoiles gelées. Ah, ça a bleu. Arctic Tundra. Je crois que c'est Tundra qu'il faut pour les. Ouais, les planètes froides. Donc, bon, bah. On va bien voir. Hein. Ouais, l'autre c'est jungle, on s'en fout. Ah, une planète de nuit. Il y a une autre toundra. Oh bah ça l'est pas mal aussi. Bon, on a pas mal de choses là, de planètes, enfin de systèmes plutôt intéressants. Il y a pas mal de choses intéressantes. Bon, par contre, là, on est sur un tiers de difficulté supérieure. D'ailleurs, j'ai même pas regardé, mais en termes de ressources, il y a Ferrosium et compagnie. Ouais. Il y a le Violium, l'Aegisolt et le. Du coup, l'Aegis et le Ferrosium. Et peut-être un peu de Duracier, avec un peu de chance. Même les gros sites de journalisme, aujourd'hui, c'est de plus en plus limite.
Alors quelqu'un qui se prend pour un journaliste, je vous laisse imaginer. Oui, clairement, très clairement. Le niveau est bas ici. Ah! Parce qu'on voit déjà le... Ah, c'est une planète de d'eau en fait. Mais du coup, il y a quoi sur le fond de la mer d'un truc gelé? Plus karma que la météorite qu'il n'y a pas. Ah bah c'est pour ça que, dans un sens, j'ai presque envie de me bouffer la météorite dans la gueule. Hein. Oh les dégâts que ça met. Des bombes à eau. Ouais. Bon c'est la même chose quoi, mais à part le sable, à la place du sable, il y a de la neige. Waouh. Jamais vu de planète océanique de glace, ou alors j'ai pas le souvenir. J'avoue que... je crois que j'en ai vu, mais en soi, j'étais jamais allé voir en bas ce qu'il y avait. Bon, bah en soi, ça ne va pas nous être une grande aide. Parce que bon, bah... c'est bien gentil, mais aller miner sous l'eau, c'est chiant. Bah la planète de froid hein, qui est là-bas. On va faire un tour sur la planète Midnight après. Je me prépare pour demain. Allez hop hein. Pas sûr que tu trouves Lily là-bas. Ouais, je suis pas Lilith. Oh! Ah, oh, c'est humain! Oh, bon, après, y a rien. Oh, j'y ai cru, j'ai vu une installation et tout. Je suis en mode. Attends, Apex là? Oh! Ah, piano! On a mieux. On va faire de la place un peu. Ouais. Et pas une main. Même si elle me fait délirer, je vais pas la prendre. Ça, ça dégage, ça fait de la place. Hop, plus que 7000 hein, et on pourra acheter l'amélioration plutôt que d'utiliser le... Ah mais c'est un biome cristal. Donc voilà les fameux biomes cristal dont je parlais. Oh, un glitch. Oh. Ouais. 37 et 15. Non, je peux prendre celui-là qui a plus de vie. Donc 75, 22, 15, 30. Et bah donne. Hein. Bon bah les 3000 balles que je viens de récupérer, voilà. Du coup il refaut 10000 balles pour l'amélioration du vaisseau. Du coup les cavernes sont éclairées. Pas si on descend trop bas. Mais ouais c'est... Il y a moyen d'avoir des effets de lumière très jolis dans ces biomes là. Très bien. Ça me rappelle la maison dans une boule à neige de tes ours. Ah, il y a un meuble rare là.
Ok, ça, ça attaque pas. J'ai pas fait de marqueur de où est-ce qu'on a commencé. Au pire des cas. Voilà. Aïe! Qu'est-ce que je donnerais pas pour un grappin? Clairement, qu'est-ce que je donnerais pas pour un grappin? Tellement pratique les grappins. Donc, heureusement que t'es pas mort sur le pic. Ouais, non, ça va, c'est juste des dégâts. Qui en soi sont pas très élevés. Putain, mais un Floran. Ah. C'est ce que je crois. Ah oui, c'est le lance-œil, c'est bien ça, ouais. Bah. Bah. C'est le fusil lance-œil. Là y'a rien à looter là-bas. Lance-œil, ouais, lance-œil. Ils ont quoi avec les yeux dans ce jeu? Bah c'est plus ou moins directement en rapport avec le lore du jeu en vrai. Parce qu'en gros le grand méchant de l'histoire, la ruine. Et oh, du violum et de la gis, ça donne. Le grand méchant de l'histoire, la ruine. Et globalement, un œil géant avec des tentacules. Très bizarre comme situation, mais du coup, comme le trailer a leaké, Rockstar a directement posté le trailer maintenant plutôt que d'attendre demain. Je trouve ça dommage en vrai. Tellement dommage. Ah! Une quête! Ok, livrer un truc à un PNJ. Avec un peu de chance, on aura un recrutement derrière. Huit timber. J'ai de quoi en crafter sûrement? Pas du tout. Ah bah y a un tronc d'arbre, hein, excusez-moi, mais... Si je pète votre tronc d'arbre, vous me faites la gueule ou pas? C'est possible, hein. Bon, ça va, il le vit bien. Vous savez quoi? Je vais même être super sympa. Voilà. Eh, j'en coupe un, j'en replante deux. Pas beau, ça? Donc, du timber, il en veut 8. Hein. Ramener les 8 timber à Michel. Ramener le truc crafté à Jean-Michel. Il est recrutable. Putain, il est pas recrutable. Vas-y là. J'aimerais bien recruter un PNJ. J'ai pas envie de claquer 40 000 balles. Après, tu me diras, je les ai pas. Et bon, bah voilà, mais. Imagine la situation pour eux, c'est la deuxième fois qu'ils sont devancés comme ça. Bah ouais, ça doit être chiant quoi. Enfin, je... En fait, quand je dis c'est dommage dans le sens, c'est dommage d'être obligé d'en arriver là en fait. Mais ouais, je trouve ça con quoi. Enfin, mais bon. Tenter d'essayer de refaire un tour de village pour voir s'il y a une quête qui pop ou quoi, mais... Le mieux aurait été de ne rien dire et de balancer en mode surprise, et encore, même pas sûr que ça marche. Ouais. Ah bah tiens, mob rare. Oh! J'ai envie de jouer! Ah, feu! Ah, plus feu. Bon, bah, nickel. Un module qui te fout le feu. Mais où t'as déjà les pieds dans l'eau.
c'est du cuivre, tout va bien. Je sens qu'il y a un mob qui vont nous tomber dessus. Ça va. Putain, Jean-Michel Florane est au taquet, hein. On croise des fleurs là et il sait plus quoi, où se mettre. Hein. C'est que quand ils disent rien, il y a 90 vidéos de leur propre jeu qui popent sur le net du jour au lendemain par un connard qui leak des vidéos du jeu en développement, donc pas censé être montré au public évidemment. Bah ouais. Ouais. Tu vas pas te laisser emmerder par trois plantes là. Si ça sort pas, ils se prennent des menaces de mort. On a vu ça avec Cyberpunk. Ouais. Il y a encore un drop. Enfin, encore un module. Ouais, bon. Trop ça pour 3 cuivres, c'est bon. Flemme. Mais ouais, clairement, les gens sont complètement fous. Oh, c'est Apex, ça, non? Dis-moi que c'est pas une prison. Ah oui, bonheur! C'est l'heure du scan! J'ai cru à la prison. Ouais, j'avoue que j'y ai cru aussi, je vais être honnête. Arrêtez de fermer les portes quand je joue au scan, bide de Dieu. Que ça, hein. Dit iron ore. Ah oui, en plus c'est des minerais, pas des lingots. Jacqueline est difficile en plus. Tiens, les seules quêtes que je trouve, c'est des mecs qui demandent des trucs chiants là. Mais ouais, de toute façon, hein, je veux dire, ça va faire comme à chaque sortie de jeu, de toute façon. Alors, dis-moi que t'es un chevalier noir. Ils vont mal, les chevaliers noirs. Bon, je vais juste continuer à faire le tour de la ville et après on verra pour la quête. Arrêtez de refermer ces portes dans ta vie de Dieu.
Oh, donne. Oh, donne. Ouais, bon, trouver Michel à l'est. Bon, y a un truc en dessous, mais on va pas creuser par ici, parce que ça va encore partir en sucette. Tu veux quoi? Tu veux un kiwi? Non mais sans deck, Jacqueline, au bout d'un moment... J'ai rigolé, tu vois, kiwi. Mais oui, non, mais Jacqueline, là, la relou, là, pour sa quête, elle veut des kiwis. Non, mais au bout d'un moment. Rien. Ah, ça, je prends. Ça, je prends. Ah, la Joconde Apex. Ici. Ok. Ok. Rien de plus. Putain, plutôt grand en vrai. Plutôt grand. C'est bien ça. C'est tout ce que je sais jouer. Contenterai de ça. Ok, bon bah on va retourner en arrière du coup et on va... Et on va faire nos deux quêtes, deux ou trois quêtes d'ailleurs. Avoir un petit peu de chance, hein. J'aimerais bien agrandir mon vaisseau gratuitement. J'aimerais bien. Mais Jacqueline Apex là fait tellement Chantal de la Compta. Hein, je... Oh, ce skin quoi. Oh, il y a mais des coffres partout en dessous en vrai. En gros, les Apex, ça, si j'ai bien compris, c'est des singes de la planète des singes. Globalement, c'est oui, des singes doués d'intelligence qui sont en mode Big Brother. Il y a le grand singe qui les dirige, il fait, le grand singe voit tout, le grand singe sait tout. D'où les caméras partout, etc. The Big Ape. Alors toi, je vais pas te sauver tout de suite, Jacqueline. Parce qu'on est censé aller voir des chevaliers noirs. Merci, Jacqueline, d'avoir pris une roquette à ma place. Oh, il prend rien. Oh, il prend tellement rien. Oh, il prend tellement rien. Alors Jacqueline Floran qui est censée nous aider, tu voudrais pas lui tirer dessus au lieu de juste le regarder comme ça? Ok, sa roquette ne passe pas.
The lepers. Mais putain de... Bon, c'est juste le PNJ qui s'est fait tuer, ça c'est pas grave. Oh, au secours! On n'avait pas encore croisé de quête qui demande d'aller buter des chevaliers noirs. C'était bien. En gros, il me dit, viens, c'est un homme. Et moi, je regarde et je dis, miaou. Non, mais je veux dire, quand il a un lance-roquette qui peut quasiment me one-shot, à quel moment je vais prendre des risques? À quel moment j'ai envie de prendre des risques? Il se rend. Oh, attends. Oh, donne. Recrutement. Eh ben nickel. Mais en même temps, je le comprends. Hein. C'est vraiment de tant de puissance de feu dans un si petit chat. Et du coup, recruter le chevalier noir. Oui. Alors malheureusement, je pense qu'il va pas avoir la même puissance de feu hein, quand il va être dans mon équipage. Hein. Non, reviens, 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 reviens. Tu veux pas te faire recruter? Il est parti? J'ai pas vu. Oui, là, toi, tu veux pas te faire recruter? Non. Oh, c'est pute! Pardon, mais ça c'est très, très pute! J'ai rasé le visage de mon frère pendant qu'il dormait. C'était. Maintenant il a l'air super marrant. Et il est pas content. Sans doute que c'est pute! Et il rebloue. Évidemment pas. Ah, je vais pas avoir assez d'objets. Ah, il veut des pétales rouges. Non, mais vas-y, t'es chiant, toi. Je vais pas avoir assez de... de scan. C'est chiant, hein. C'est très chiant. Ce qui veut dire qu'il va falloir trouver d'autres bases ou villages Apex. Tu peux pas revenir sur la même plus tard. Non, un objet scanné le reste. Et obligé de scanner des objets différents pour avancer sur la quête. Excusez-moi, je vous pille les habits des dragons. Hein. Petit pillage en règle. Oh et oh. Il va se calmer le piaf là. Je vous pique, pique ça aussi. Et on va vendre des trucs. C'est une quête. Ouais, mais... Oh, tu sais quoi, je vais te vendre ton diamant de, que je t'ai volé il y a 2 secondes. Et tu le vends combien? Oh, vas-y, il rachète combien? 1000 balles. Putain, la valeur, c'est 5000. Hein.
bibliothèque. On va le garder ça au cas où. Allez, un peu moins de 3000 balles et on pourra acheter l'amélioration. Même si ça m'enchante moyen. Encore Rockstar montre qu'ils sont toujours les boss pour faire des jeux qui déterminent un nouveau standard de qualité. Ah ouais? À ce point-là? Bah, je regarderai le trailer après, après le live. Que t'avais plus de d'édition de scanner, ce que je trouvais un peu con. Non, non, c'est en gros, tu peux scanner tout ce que tu veux, c'est juste qu'une fois qu'un objet a été scanné, tu ne peux pas le rescanner pour avoir des les infos. Ce qui en soi est logique, puisque tu les as déjà. Du coup, voilà pourquoi j'aime beaucoup les biomes cristal, enfin les biomes cristaux. C'est que quand tu joues avec ta lampe, ça fait ce genre de truc. Et je trouve ça vraiment super beau. Oh, une table en cristal, un lit en cristal. Une lampe émeraude de cristal. Un pantalon de cristal. Va pas avoir chaud avec ça. Mais ouais, soit en fait dans les biomes de. Les biomes cristaux comme ça, t'as. Là, on n'a pas de couleur particulière, mais tu peux avoir des cristaux des couleurs différentes. De mémoire, je sais qu'il y a du jaune et du bleu au minimum. Et du coup, quand les biomes se mélangent un peu entre eux... Oh, il y a plein de trucs en bas, là-bas. C'est quoi? Ah, c'est les cristal shards? Ouais, les prismes shards. Je sais pas à quoi ça sert. Je crois que c'est. Bah oui, bah je crois que c'est tout simplement pour crafter les meubles de type cristal. Oh, des licornes de cristal! Il y a un cristal bizarre. Ouais, ça. Le mob là. En fait, c'est un mob passif. Que tu peux capturer si t'as une Pokéball. D'ailleurs. Non, je crois pas que ce soit les Pokéballs, je sais plus. Je sais que tu peux capturer ce truc là, mais je sais plus avec quoi. Hop, on va finir avec une petite banane. En soi, je pense pas que je vais crafter des trucs de cristal. Ah bah il y a la licorne couleur shiny. Et un camp humain. Un petit bord, c'est du cristal. Oui, c'est un peu le délire. Ouais. C'est lequel? C'est Monsieur Chauve? Oui, c'est Monsieur Chauve. Ok, une quête. Toi. Ok. Ok. Tac. Tac. 4. Ah mais putain, mais arrêtez de me demander du fer à chaque fois. Je peux pas demander autre chose. Bon, ça va être chiant. Il y a quasiment tous les PNJ qui m'ont demandé du fer.
Et même pas des lingots en plus, hein, c'est juste du minerai de fer. Oui, alors ceux qui demandent des... Ceux qui demandent des graines, c'est les pires. Donc on continue. Moi, je sais pas comment ils ont ramené un camping-car. Faut pas le chercher. Un potichien. Deux potichiens. Il y a même deux camping-cars. Et un jukebox. Ok, le camp est fini. Par contre, il y a un coffre. On va juste looter le coffre et on va revenir en arrière pour aller faire les quêtes. Essayer de recruter un PNJ. Bon, j'ai eu le chevalier noir, donc techniquement il manque à recruter un PNJ pour pouvoir avoir l'amélioration de vaisseau gratuitement. J'aimerais bien sur les, ouais, sur les deux quêtes qu'on a eu là, qu'il y en ait une qui recrute. Ce serait bien. Jacqueline, le sweatshirt capuche là, vas-y, testille, je peux pas te recruter. Apparemment, c'est occupé à la sortie. Ah, mais ça pop littéralement sur eux en fait, très bien. Bon, j'imagine qu'on a déjà rempli une des deux quêtes. Tant qu'à être là, on va la rendre. Toi, reviens. Mais. Et toi que j'ai ramené? Non. Enfin, je vais vraiment éternuer. Et bah très bien. Oui, des flores, on dirait vraiment un mec qui s'étouffe. Hein. C'est vrai que en termes d'alphabet, ça part à la base de. Oh, vous voulez pas m'aider? Ok, de 1. Et de 2. Oh, le tromblon! Ok. Allez, recrutement là! Vas-y, ben relou. Hein. Oh, vous êtes chiant, hein. Donc, on approche des 10 heures de survie. On approche, on approche. Des cultistes à l'est. Je suis à deux doigts en fait de me TP sur l'île de. Enfin l'île. Sur la planète de départ, aller chercher 4 morceaux de fer et voir si Jacqueline est. Oh, recrutable! Hop 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 hop! Non! Ah, pas de 10 heures de survie! Ah non! À 3 minutes près, Potichat est mort en tentant de sauver des humains. Voilà, ça pendra. Ah, chier. Ça se passait si bien.
En vrai, quand j'ai vu le nombre de cultistes, j'aurais dû reculer. J'aurais clairement dû reculer. C'était la boule de poil de trop. Ouais. Ah, je suis deg. On est donc mort à 9h57 minutes et 37 secondes de vie. On aura vaincu combien de boss? Bon, en soi, il a manqué 3 techniquement pour finir le jeu. En vrai, on a fait, je dirais, une bonne deux tiers du jeu, peut-être? Moitié, deux tiers par là? On a plus le temps d'aller chercher un truc à manger là. Ah oui, non, mais. Ah, ce que j'en dis. Hein. Chier. Ah putain de cultiste, hein. Je vous avais dit que c'est les cultistes qui auraient ma mort. Hein. Bon, j'aurais préféré la météorite, mais bon. Voilà. Ah putain, je suis deg. Bon. Alors, est-ce que. Ça dit quoi du coup? Hardcore mort. Attends, t'as fini. Bon. Et bien, au bout du compte, pardon, on aura fait boss Floran, boss Avian, boss Ilotl. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Donnez-moi les races de base, s'il vous plaît, je me souviens plus. Donc, Uba, Avian, on a vu. Donc, en soi, j'ai presque envie de dire Hercules, on a vu. Avian, on a vu. Apex, au final, on n'aura pas vu. Floran, on a vu. Ilotl, on a vu. Et Glitch, ben, on n'a pas vu. Et on verra pas. Et Novaki, ils n'ont pas de boss. Donc, voilà. Et eh ben écoutez, c'est le cœur lourd que Shex s'en va vers d'autres cieux. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir mettre fin à notre première tentative de survie en hardcore. On aura tenu 10 heures en vrai, c'est pas mal. Hein. Du coup, voyons voir viteuf le clip là. Ouais, non, mais le tas de gens là aussi, là, à l'aide. Hein. Et j'ai pas fait gaffe à ma vie, clairement pas. Ah oui, ah ouais, ah, j'ai pris deux coups à l'aide. Hein. Un, deux, fini. Voilà. Et du coup, les cultistes, ils sont partis. Ouais, ils sont partis attaquer le village, du coup. Enfin, le village, le campement. Hein. Ok. Vaporisé. Ouais, bah je me suis fait tout shot. Hein. Mais j'arrêtais pas de vous le dire que les cultistes c'est chiant et ça fait mal. Voilà. Je vous l'avais dit. Tac. Hop et hop. Mais ouais. Du coup, Starband, eh bien, l'aventure est terminée. On a entendu quoi? Deux ou trois lives, je crois? Je sais plus. Enfin, ça, c'est, je crois que c'est la troisième partie, non? Troisième ou quatrième? Je sais même plus, en vrai. Je ne sais même plus. Je mets une balise de spoil sur Discord ou je peux le mettre comme ça? Non, tu peux le mettre comme ça.
Donc il y a eu, ouais, premier live, deuxième, et ça c'était le troisième, ouais, en effet. C'est le troisième et on n'aura pas tenu. On aura tenu une petite heure de plus en jeu. Je trouve que t'as bien tenu. Bah, en vrai, quand je vois ce qu'on a bouffé lors du live précédent. Parce que vu ce qu'on a bouffé au live précédent, j'avoue que je m'attendais clairement à mourir aujourd'hui, disons-le. Mais je pensais pas sur des cultistes. Ah, du coup, on n'est pas allé sur la planète Midnight. Ah, je suis deg. En gros, la planète Midnight, enfin les planètes Midnight, c'est des planètes où il fait tout le temps nuit. Et il y a un type de d'habitants, enfin on va dire plus ou moins forme humanoïde, mais tout noir et qui font de la fumée. Je trouve trop classe. Quand on a vu des coups qui étaient OS presque, fallait bien que ça arrive. Oui, très clairement. Après en soi, de toute façon, là j'étais pas si mal que ça en termes de stuff, hein. J'étais même mieux que ce que je suis censé avoir à ce moment-là. Puisque on a trouvé des marchands qui vendaient des pièces de stuff qui étaient meilleures que ce que j'avais. En tout cas meilleures que ce que je pouvais crafter. Donc en vrai on était pas mal, hein, on était vraiment pas mal. Mais bon. Chalamor. Chalamor, et fallait bien que ça arrive pour qu'on puisse tout simplement bah, passer sur un prochain jeu de survie. Spoiler? Ouais, bon, de toute façon, c'est pas une surprise, hein, spoiler. De toute façon, je l'ai déjà dit. Notre deuxième tentative de survie, ce sera sur Ark. En modé. En plus dur. Donc voilà. C'était déjà pas mal. Oui, en vrai, c'était déjà pas mal. Mais du coup, c'est chiant parce que maintenant, j'ai envie de jouer à Starbound, mais en mode normal. Je vais juste supprimer le chex. Mais ouais, maintenant j'ai envie de jouer à Starbound à mode normal. C'est un peu chiant, je dois avouer. Prévoir un truc au cas où, hein, Ark ça va être violent. Ah, mais Ark peut être extrêmement violent. Oui, en effet. Donc oui, ça peut totalement arriver que qu'on passe pas le premier live. C'est tout à fait une possibilité. C'est tout à fait une possibilité. J'avais pas un instrument avec elle? Si. Qu'est-ce qu'on a qui serait dans le thème? C'est quoi celle-là? Très bien, elle se lance pas. Non, c'est pas celle-là que je cherche. Bref, voilà. Il suffit d'un rapport qui se balade là où il devrait pas et c'est foutu. Ah, mais très clairement. Et en soi, il faut se dire qu'avec la version de Ark avec laquelle on va jouer, les raptors, c'est clairement pas ce qu'il va y avoir de plus dangereux. C'est clairement pas ce qu'il va y avoir de plus dangereux. Mais. En effet, un raptor qui passe par là et c'est fini. Après, comme pour
comme pour cette survie sur, sur Starbound, on va évidemment se laisser une petite marge de manœuvre. Hein. Si, si on meurt dans les 10 premières minutes, 10 ou 15, je sais pas, on verra. Et ben on recommence. On relance et puis tant pis. Mais en tout cas, c'était très cool et on va finir ce live avec une musique de circonstance. Pour ceux qui l'ont. J'étais très content en vrai de on va pas appeler ça la performance, mais de cette sortie sur, sur Starbound. Très content de ce qu'on a pu faire, de ce que j'ai pu faire en tout cas, on a vu plein de choses. Ça me dit un truc. C'est Monty Python. Always look on the bright side of life. Toujours voir la vie du bon côté. C'est, du coup c'est le tab, hein. Bah oui. Mais oui, non, pour le coup, en soi, comme je dis, je suis assez content, clairement, de toute façon, à la base, je pensais vraiment pas passer le premier boss. Le truc dans le non-œil dans le cristal, je pensais vraiment pas le passer. Donc après, c'était que du bonus, hein, clairement, on a fait deux lives et demi de bonus en plus, donc... Donc moi, je le vis très très bien. Très content de cette ressortie de Starbound. Et en vrai, je pense que d'ici peu, je pense que voilà, on sera une petite survie normale sur Starbound. Et quitte à jouer en multi d'ailleurs, hein, c'est même avec grand plaisir qu'on jouera en multi. Blue n'avait pas réinstallé le jeu. Si, si, Blue avait craqué, en effet. Pff, j'ai tellement de trucs, de musique. Il y a celle-là, mais elle est pas d'actualité. Elle marche plus, désolé. I am not still alive. Allez. Sur ce, on va s'arrêter là pour ce soir. Sur cette survie qui aura duré donc 3 lives. Il me faut la version I'm dead. C'est I'm still dead. J'avoue. Aïe, aïe. Mais ouais, ça veut dire que donc la semaine prochaine, on se fera une petite soirée sur Ark. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Je pense que c'est pas impossible d'ailleurs que soit dans la semaine ou en tout cas avant de faire la soirée Ark. Je fasse juste un petit essai à un moment de lancement de live avec Ark qui tourne pour voir comment ça tourne. Normalement, ça devrait pas te poser de problème, mais bon, sait-on jamais. C'est Ark. Donc voilà. Dans le doute, ouais, voilà en fait. J'ai pas confiance dans le jeu. Et puis voilà. Allez, sur ce. Merci à tous d'être venus ce soir pour cette première partie de live, au final très drôle.
C'était pas le but, mais c'était quand même très drôle. Et cette seconde partie de live en hardcore qui s'est donc terminée aujourd'hui. Le deuxième épisode sera donc sur Arc la semaine prochaine. C'est vrai, je vais triste à la fin. Ouais. Ouais. Je suis assez d'accord. Mais en tout cas, merci à tous. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de Midnight Suns. Et... oh, j'ai si hâte. J'ai si hâte. C'était étonnamment plus drôle au début qu'en fin de live. Hein. Potichak, ça rejoint le petit pot de lait. je veux des fanarts de ça. Potichak, ça prie à Potichak. C'est ça, hein, quand le cultiste a tué Shax et... Quand le coup d'épée est tombé, au moment où le corps allait tomber le sol, t'as le cultiste qui l'a regardé et qui a fait « Shax ». Aïe, aïe. Mais enfin, en tout cas, merci à vous, comme je le disais. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve demain pour... Midnight Suns, j'ai si hâte d'y jouer. D'ici là, la bonne nuit. Et que la funk soit avec vous, les amis. Ciao, ciao.